Welcome to... Mon nom est Geralt de Rive, et je suis un Witcher, ou un chasseur de monstres si vous préférez. Nous ne sommes plus très nombreux, mais pourtant le monde n'a jamais eu autant besoin de nous. Ceci est mon histoire, la traque désespérée d'une femme sur qui repose le destin de l'humanité. Je suis pas trop confiance, mais en même temps j'aurais peut-être besoin d'un allié. Non, je peux pas la croire, je suis désolé, mais je ne crois pas. Je ne vous crois pas, SP. D'autres personnes m'ont mis en garde. Levez la main sur moi, c'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Oh mon dieu! Fuck! Ok, comment je fais pour attaquer ce truc? Ah, c'est une merde maintenant. D'accord. C'est pire, je sais même plus quoi. Bon, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution qu'on ait eue, mais en fait, je pense que j'aurais peut-être eu besoin d'un allié contre les sorcières. Mais j'avais pas besoin d'un ennemi en plus, donc j'ai pas pris le risque. On verra. Attends, en plus, j'ai... Enfin, c'est ouf parce que c'est pas mal de potes qui jouent aussi en même temps que moi, et c'est n'importe quoi, tous les choix différents qu'il y a, toutes les possibilités qu'il y a dans chaque donjon, c'est vraiment ouf, quoi. Bon, ok. Bon, on va se casser d'ici. Par là. Mon médaillon vibre. What? Ce doit être un site d'énergie. Oh what, qu'est-ce qui se passe? Déjà on va enlever ces potions. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Je suis très occupé. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? L'arbre était possédé par un esprit, j'ai trouvé quelque chose, je ne sais pas trop quoi, je préfère garder ça pour moi. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais j'ai réglé le problème. Comment ça, régler le problème? J'ai détruit l'esprit maléfique. Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre. J'ai détruit le cœur et son hôte maléfique. Alors, c'était un fantôme. Il va revenir? Non. Oui, il est louche, lui, putain. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Putain. Mon dieu. Oh, what the fuck. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. What the fuck? Alors, toutes ces oreilles dans les bois. N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Vélène est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Ok. Putain de merde. Oh, what the fuck. Oh, oui, niveau 10. Putain, mais c'est quoi cette tarée, quoi. Oh.
What the fuck? Oh, what the fuck? Regarde ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Oh, what the fuck? Eh bien, apporte ça. Oh, elles sont immondes. Ah. Oh, what the fuck. Oh my god, c'est horrible. Ok, on va se les faire. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Ces enfants sont tendres et petits. Oh, mon Dieu. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. Je reconnais cette marque. Celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Oh, mon Dieu. Un fruit poussé en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. What? Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, toison blanche. Oh mon Dieu. Parlez-moi de la femme que je cherche. Vous ne semblez pas à la tapisserie. Je vais faire le gros lourd. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace. Oh. Tu nous désires. Vous êtes polymorphe. Vous savez pourquoi je suis là. Vous savez pourquoi je suis ici. Ce que j'attends de vous. Toujours ils refusent, mais toujours ils reviennent. Oh, allez, le corps si désirable. Hante leur rêve. Vous êtes servi de moi. Vous vous êtes servi de moi pour apaiser la colline de l'Ante. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. As-tu détruit la source du mal? La paix est-elle revenue à notre domaine? Oui. Quelle chance d'avoir trouvé un chevalier si brûlé, si fort. Comment tu veux faire des enfants? Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Heureusement, elle n'a pas pu te tromper, gros chevalier. Tu as débarrassé le monde d'un grand mal. Parlez-moi de la femme que je cherche. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. Oh putain, mais elle a un enfant dans le sac, j'ai pas capté. Pâle, enfin, petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. What? Méchante, obstinée et insensible. Je ne vous crois pas. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est plus la même, alors. Elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Où est-elle? Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Ah oui. Flashback, ça fait longtemps. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Oula, elle a pris cher. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs quelle fut la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Oh mon Dieu, comme elle est faite. Oh, oh, oh.
C'est dégueulasse. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Oh mon dieu, Siri, qu'est-ce qu'on va faire? Est-elle assoupie? Comme un agneau. Tenez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Oh mon dieu. Tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh mon dieu. Il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh oui. J'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Oh mon dieu, chasse sauvage qui arrive. Oh Seigneur Dieu. Oh mon dieu. Oh la vache. Ok. Ouh, il te fait quoi là? Ok. Ah non, ça arrache! Cours! Oh là là, c'est stylé! Je peux vous démarrer. Je fais que ça. Ok. Aise. Ils ont quand même bien la place. C'est ça que ça fait tellement penser au Seigneur des Anneaux, quoi. Non, c'est le vrai? C'est le grand? Non, c'est pas lui. Vas-y, Siri, cours! Encore? Putain, c'est pas vrai. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la foule. Putain, je vous éclatais. Putain de cannibale. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Putain, elle a des mouches qui sortent des yeux. Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Vous ne vous en tirez pas comme ça, je la retrouverai et je reviendrai. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras. Mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. Oh, c'est horrible. Oh, je vais lui. Oh mon dieu. Putain, j'en ai essayé de libérer l'esprit, je suis trop con. Putain. Ah, merde. Putain, j'aurais dû tenter de libérer l'esprit de la forêt. Hein. Putain, qu'est-ce que je suis con. Bon, normalement c'est fait, de toute façon. Dommage, manquait plus que ça. Bon, on va essayer de finir la quête du baron, parce qu'ils ont à nouveau parlé là. On va essayer de retrouver la femme du baron, baron sanglant. Donc j'avais parlé au baron. Bon allez, moi je peux peut-être récupérer sa fille finalement. Ou sa femme, je sais plus. Baron! Ah, il est là. Mes potos! Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire?
Je sais où est votre femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener. Ah, sa femme, c'est la vieille, d'accord. Pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Putain. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Non, en vrai, je commence à bien l'aimer, en fait. C'est bon, je vais chercher ta femme. Demande-moi. Tu l'as ramenée. Enfin, pas tout de suite, parce que là, elles sont un peu trop fortes pour moi, je pense. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein, que c'est responsable. Mon opinion importe peu. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs. Mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Vos histoires de famille ne m'intéressent pas. Eh bien, racontons votre version des faits sans enjoliver. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Allez, accouche. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson. À tel point que mes séjours au foyer m'ont viré eux aussi à la beuverie. Toujours aussi fait ce que je vois. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant, Kana restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. En même temps, mec... Ah oui, c'est pas cool. Comment l'avez-vous su? Mais bon, il était tout embourré et dangereux. Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde. Oh putain. Et j'ai jeté sa carcasse au chien. Putain, what the fuck. On s'appelle pas le Baron sans voix, sans raison. Je vois qu'on ne vous appelle pas le Baron Sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. Ah, oh, d'accord. Petite anecdote. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Putain. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout,
espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. Dans le même temps. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous faites la paix, vous êtes fautif. Je me lave les mains de cette histoire. Ouais, bon, ok, elle l'a trompé, mais à part ça, elle a juste trompé, quoi. Enfin, c'est horrible, ok, mais lui, il a quand même buté un mec, quoi. Je me lave les mains de cette histoire. Je ne vois pas pourquoi vous me racontez tout ça. Les histoires avec votre femme. C'est votre problème, pas le mien. Maudit sorceleur. J'aurais dû m'y attendre. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte. Elle a conclu un pacte avec les Moirs, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moirs pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moirs allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Oh putain. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moirs l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Sorcière. Quel foutu cauchemar. Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Ouais, mais là, c'est pas clair, là. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moirs plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Oh putain. Nous avons un accord sur ton tour de l'honorer. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. La parole donnée. Où en étais-je déjà? Ah putain. Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Ah putain, oui, c'est vrai, putain, ça remonte du coup. J'ai l'impression qu'on l'a fait il y a 3 ans cette quête. C'était le type de mort. J'ai cru notre dernière heure arriver. Oh, what the fuck. Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Psst. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Oh mon dieu. Est-ce que j'ai quelque chose pour... Ok, j'ai pas de sort, j'ai rien. Allez, allez, allez. Putain, faudrait qu'il descende, j'ai pas d'arbalète ou quoi que ce soit là. Allez, basilic, là, viens là. Ah putain! Il est où? Oh, je le vois pas. Ok. Ah putain! Oh mon dieu, je prends cher! Allez, come on, come on! Oh là là! T'as plus de vie, t'as plus de vie! Putain, mais il empoisonne beaucoup en plus, hein! Le bâtard!
Allez, descends là. Mon dieu. Oh. Putain, c'est quoi ce truc de ouf quoi? Oh dur. Oh what the fuck. Putain je l'adore le marron. Il est putain de drôle. Il arrête pas de jurer tout le temps quoi. Bon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Bien sûr qu'on peut pas l'abandonner. Comment je fais pour monter là-haut? Accéder au sommet de la tour. Ouais mais par où? Moi je veux bien. D'accord, genre vraiment là? Salut Lou. Alors comment je vais monter là-haut moi? Ok, très bien. Par là. Ok. What? On se le bruit qu'il fait quoi. Oh stylé. Oh mon dieu. Oh oh. Elle lui a coupé la tête là ou... Oh mon dieu. Ok, là je pense que c'est coupé. Ha la gueule. Trop drôle. Vous êtes paré. Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. C'est pourquoi je dois partir. Nous sommes quittes. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Putain, tout ce temps pour sortir qu'elle a Novigrad, quoi. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Quand Ciri a-t-elle franchi le blocus rhédanien? Vous avez laissé Ciri partir pour Novigrad malgré le blocus rhédanien au niveau du pont d'art. Elle cherchait après une magicienne. Et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livré aux rhédaniens.
Je lui ai donné un sauf-conduit. Un sauf-conduit? Au nom de qui? De personne. Identique à celui-ci. Montrez ça aux crétins qui barrent le pont et ils vous laisseront passer. Vous me le donnez? Je ne vois aucune raison de vous compliquer l'existence. Vous cherchez votre enfant, cette lettre vous y aidera. D'où viennent ces lettres? D'où vous viennent ces sauf-conduits? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons. J'ai servi naguère dans l'armée témérienne. Mais ce sont les Rédaniens qui barrent le passage. C'est vrai. Mais avec un brin de renommée et un ami ici ou là, bannière et armoirie ne veulent plus dire grand-chose. Ok. Merci, mec. Désolé, il reste une pas. Chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète. S'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Oui, je te dis, mec. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Moi, il est convaincu, j'en suis. Eh bien, je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Cutérier. Rejoignez-nous sur place. Entendu. Ça me va. Oh mon dieu. Oh what the fuck, c'est quoi ça?